Il est sur ma selle, au-dessus de ma selle. Ouais, je vois. Déjà, je ferai ça qu'une seule fois. Ça les a fait rire quand même. Hamilton serait fier de toi. Ta gueule. Tu te fais doubler par un gamin de 14 ans là. Attends, on va aller à droite. Elle t'a monté les radios. C'est bon, j'ai toujours l'impression que c'est bon. Mais je sais, c'est le faux plat pendant 1,5 km. Ah, mais pas grave. On a forcément été trop occupé par la maison. Vous voulez encore parler? Ouais. Sur son téléphone. Tranquille, hein? Vas-y. C'est le premier tour que c'est en plusieurs, parce qu'en fait, t'as deux. Parce qu'il y a plusieurs tours. Ok, là. Au revoir. Là, tu les as fait rire, je pense. Non, mais ce qui me ferait mal, c'est que. C'est le mec avec les enfants. C'est lui qui me dépasse. Là, j'ai mal. Là, j'ai mal. J'ai envie de ma mère que le vieux là-bas, c'est un électrique. Hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est niveau. Moins 130 que pas deux. Ça, c'est niveau 3, voilà. Ça. Putain, j'ai l'impression que. Il n'y a que des élites. Que des vélos de course. Tu sais qu'on dépasse personne. On se fait littéralement dépasser par tout le monde. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont là, ils sont plus rapides que nous. Ou alors on est en train de former un groupe de bon, t'as raison. Allez. Ah, nique ta mère, je gagne. Ah, ça sent l'enfant. Ah, c'est bon. Ça va, oh mince, j'ai pas mis le GPS sur la GoPro, fais chier, j'ai oublié. On n'a pas notre vitesse. Bon, c'est pas grave.
On a fait 700 mètres si jamais. Oui, c'est vrai. Combien est-ce que là j'en fixe? Comment? Moi aussi, chaque jour, bicyclette. Oh, ah, oui. Ouais. C'est aussi pour moi. Hein. Ah. Bon, j'avais un objectif, c'est pas de me faire dépasser. Bon, l'objectif est rapide. Je vais pas faire dépasser par un gars qui tient des, qui tire des enfants. C'est dépassé. Et j'ai hâte. Après, ça monte plus, après c'est fini. C'est qui c'est la partie la plus dure? Après, ça descend tout le long. En Formule 1, ils font ça en 10 secondes. Ouais. Il est entre 5 et 10 secondes. Voilà, le plat commence à disparaître. Putain, je suis à 167 fréquence cardiaque. Oh putain, je suis littéralement en train de crever sur place. Quoi. Calme-toi, mon vieux, 160 c'est max. Hein. Après, dis-toi que 90% des gens qui nous ont doublé avaient des vélos de compétition ou des vélos électriques. Ça peut te consoler. Ça va, je vais essayer. Regarde, c'est que des vélos. C'est la deuxième vague de problèmes. Voilà. Ils ont démarré à 10 secondes. Regarde, tu vas l'attraper. Regarde. C'est la fin ici, après c'est fini. Après on descend tout le long. Après tu peux ralentir hein, pour ton cœur en vrai. Ouais. T'es déjà en âge. Ça va ma papy Ah, tu voulais te faire un ralentisseur là. Attention, vas-y va à droite si tu veux passer devant moi. Prends-toi le ralentisseur, tu vas voir, ça prend 3 secondes. Tu vas revenir. Ouais, allez. Ici, tu pourras, au virage, tu pourras être au troisième plateau si tu veux. Ça va descendre et tu vas pouvoir gagner la vitesse. Et pédaler beaucoup moins vite. Voilà, maintenant c'est parti, fini. Maintenant ça descend.
On est monté à 60 hein. Hein? On est monté à 60 hein. On est monté à combien? 60, tout en descente. C'était à 61 pour te rattraper. Donc on l'a vu, ouais, t'es pas passé loin. Hein. Il est beau quand même. Hein. Franchement, ouais. Je connais pas bien le jeu. Ouais. Demain, je vais à Décathlon, je vais porter mon vélo. Pour me changer cette putain de chambre à air, je veux un truc au top niveau. Que je sois full contrôle, full confiance. Alors ici à droite, c'est l'école de conduite. Et alors le bon spot quand tu prends les 24 heures, c'est là en face. Tu vas arriver de loin avec les phares, à fond de balle, et puis ils freinent, t'as les retours de flammes. Ça. Ton rythme cardiaque, ça va? Ouais. Ton rythme, ça va? À droite, non, c'est la piste de karting. Piste de karting de Spa. Ça monte? Non, non, c'est non, ici, non, ça monte pas. Si tu viens de descendre une descente de bâtard et que tu crois que ça monte. Avec la vitesse, ben, c'est ça que ça fait.
Attends, on vient de descendre presque 3 km là. Là, c'est cool, il est presque fini en fait en vrai. Hein. Ouais, genre, je sais. On va arriver presque à la chicane et hop. Super bien. T'es chaud pour en faire un deuxième d'un coup? Ou tu veux t'arrêter? Après, on peut la refaire comme ça, on a le rayon à fond de balle et on s'arrête en haut. Si tu veux. On se sur le bas côté, comme on peut faire ta petite photo et hop. Mais j'avoue que c'est que des pros, en vrai. Ou des électriques. Mais tu sais qu'on tient la même vitesse que long du canal, on est à 14 km/h, mine de rien. À mon avis, je vais pas tenir ici à. Plus que 21h. Là, on est à 15 km/h. Ouais, on est à 14. 13,9 là. Ah, toi, je suis pas le seul. Hein? Je ne suis pas le seul, il y a aussi un casque intégral. Le gars devant, il avait un casque comme moi. Ah ouais. Du coup, ça me rassure. Oui! En fait, ça me fait penser, c'est comme si on faisait un peu le marathon de New York, tu vois. Ouais. On se dit, on ferait bien, ouais. Et en fait. Alors, mon cœur, ça a été. Alors, écoute, on a fait un tour et demi. On a roulé pendant 17 minutes. Hein? Ouais. Pour 2 heures de route? Bah, on écoute. A fait 17 minutes à fond de balle. C'était 17 minutes intenses. Pourquoi tout le monde roule à droite? Pourquoi dans le code, il fallait rouler à droite? J'ai pas lu le code. Mais la descente elle est chouette quand même, la grosse descente elle est chouette. Franchement ouais. Je m'en rendais pas compte qu'elle descendait. Ah mais quand tu le vois, tu dis hein quand même. Là je me casse la gueule, je suis mort en fait. Ouais, c'est ce que je me souviens vraiment. Quand je voyais le mec à la même vitesse que moi, je dis putain, super vite. Et voilà. C'est fini! Là, ça monte là-bas dans le fond? Non, c'est tout plat! Mais non! C'est le gars là! C'est pas celui qui nous a doublé tantôt, lui, en vert? Avec son truc avec ses chaussettes vertes? Ils nous ont passé tantôt, non? Ouais, ils ont commencé avec nous. Ah ouais. Il y a le mec en doré aussi, je crois. Et même sur le lien aussi, ouais. Ouais mais toi faire vélo électrique niveau 3, il est où le plaisir gars? Non, il est où le plaisir? Souffre un peu mais de niveau 1, moi aussi je pourrais. Je pourrais faire ça hein. T'aurais déjà fini le tour depuis longtemps. Comme ça, je pourrais hein. Encore vas-y, vas-y jusqu'à la ligne d'arrivée, attends-moi la bas. En marche arrière. Attends-moi à la source. Comme ça tu vois au moins une fois à fond de balle. Je l'ai. À niveau 3, pour voir ce que ça fait. Je l'ai fait quand j'étais à 84 km/h au Lyon. Et j'ai vu après que j'ai dit plus jamais en fait. C'est 84 km/h, tu te rends pas compte, mais en fait. Là on était à 60, tu rajoutes 20 km/h.
J'ai le gars. Attends, je vais faire un face cam avec le team 20, projet 28. Hello. Good morning. Eh oui, c'est moi. Il y a plein de gens qui s'arrêtent hein, au Rédillon, enfin au Trica. Oh, c'est une équipe. Les gars, changement de pneu, on va mettre des hards ici une fois. Un petit ravitaillement là. Coup de polish sur le vélo. C'est un vélo de contre la montre. Pourquoi il a quoi? Il balance la roue? La roue arrière. Hein? Comme ça, ça. Comme ça, l'air ne elle rentre frôle, pas hein. Dans l'interstice. Elle passe quoi? Elle passe sur le côté et ça fait une position aérodynamique. Moi je suis fidèle, je suis niveau 1, je te suis presque. Pas niveau 0, mais niveau 1. Allez, je me fais un kiff. Ben, c'est tout. Tu veux t'arrêter faire une photo ici? Avec l'IA on peut le faire. Moi dans ma tête. Franchement. Il l'a fait. C'est électrique, hein. Il avance, il accélère, il freine. Eh hey, mine de rien, on a fait le tout le tour en 12 km en 23 minutes, c'est bien en vrai. J'allais taper sur un 35. Oups, tu te rapproches de moi. Ouais, niveau 3. Mais là... Lors du dernier passage. Voilà. Ça, j'aurais vraiment une belle tête des étés. Il y aura déjà moins de gens. Et puis après, je pourrais retirer mon casque. Là, ça me flamme de le retirer, le remettre. On s'est vidé par un handicapé là. Il y a trois roues. Et il a un moteur. Double triche. Avec une jambe, il peut être. Alors. C'est pas esprit couvert, hein. Ah ben ça c'est ce tonto, ça qu'on a fait rigoler. On a dit à plusieurs tours, au groupe là. Oh, on aurait dit des abeilles qui passent. Allez, toi. Et nous, on nous prend en photo, hein. Nous on n'est pas assez beau. Hein. Là j'ai une gueule. Une gueule de chien. Bon, ici c'est là où ça descend le plus. On se rend pas compte, mais ça descend plus que l'autre. Celle-ci. Ouais. Ouais, ouais. Moi je me doute. Là ça se voit que ça descend. C'est là que j'ai fait 84. Mais j'oserais pas avec mon pneu aujourd'hui, mais... Moi j'oserais pas juste parce que je suis pas capable. Moi j'ai un chier, je le sens. C'est même pas la montée du Rédillon en lui-même, c'est la... le faux plat montant. C'est, ouais, c'est lui, c'est le pire celui-là. Tu sais que c'est... Pour moi c'était plus dur le faux plat montant. Parce qu'il est long. Parce qu'il est long. Ouais. J'ai eu plus de mal sur ce putain de faux plat que. Et là, on est à la 8ème vague qui est plus rapide que nous. Enfin, plus rapide que moi. Je pourrais y aller. On a la team aussi là. Bon. Allez. Alors, par contre, là, on y va, parce que là, dans la montée, ça va chier. Ah, je sais. À fond, à fond, à fond! On se voit tantôt!
On t'attend en haut. J'irai après. Tu as l'air à l'aise, c'est bien. Le mec a dit tenez votre droite, tenez votre droite si vous allez dans la ville. Ah. En fait, nous on roule à droite. Voilà. Comme nous faisons tour en fait. C'est juste une fois on était à gauche, on s'est engueulé comme des grosses. Le long de la longue ligne droite, on était tout le temps à gauche. On était full gauche. Ouais. Ouais, on était full gauche. Bon, on collait à gauche. Ça. Ouais. Et je me suis posé la question qu'il y en a une qui a dit à son pote, ouais, tu respectes les lignes, non, en fait, tu traverses. Hein? Je dis, ah, à mon avis, il y a peut-être un code qu'on connaît pas. On va aller à droite, hein, du coup. Ouais, c'est le gars là, comme ça là. Voilà, là. Voilà. Voilà. Tu veux, il y a des morceaux de gomme, tu veux des morceaux de macadam, en souvenir.
quand on passera bien le dernier tour avant d'attendre. Ah ouais. Est-ce qu'il y en avait deux, trois là? Regarde la blinde là, un morceau de truc. J'ai 4-4 pinces pour une chose. Mais qu'est-ce qu'il y a des chouettes de descendre quand même hein? Bah tu sais, ici on descend encore. Là. Ah ouais, ouais. Hein. Moi je peux te dire, mon muscle va te dire à quel moment ça arrête de descendre. Je peux te dire au mètre près. Enfin, là je pédale. T'inquiète. Je peux te dire au centimètre près, je suis géographe. À quel moment ça commence à monter. À quel moment c'est du plat même. Attention, c'est 60 km maximum ici. Bien. 12.7. It's a pit lane for Hamilton. Sur droite. Tu crois que c'est un raccourci par ici? Quoi? Tu crois que c'est un raccourci par ici? Hein? Comme dans les jeux, tu vois. 19h13. Ah, il y a du vin là. 38, quand on est passé, comment on s'est arrêté? Oh! Ouais, c'est pour après ça, c'est pour nous. Pour nous? Non, mais c'est pour eux. Hein. Non, c'est pour nous. Ouais. Pourquoi? C'est-à-dire que j'ai pas de l'emprunt, c'est pour nous? Je dis juste que... Ça fait 33. Le deuxième tour, on l'a fait en 35. On va rattraper Tarikosan. Il a 5 ans, le bâtard. C'est beau ce petit coucher de soleil, c'est très beau. Ah.
crois que ça fait une plus-value pour une vente de vélo si on dit qu'il a roulé à Spa. Elle est quand même mieux cette piste aussi. Ouais, hein. On sent la différence, ouais. Hein, un peu moins granuleuse. C'est tout nouveau là. Et en fait apparemment, ils l'ont testé aux 24 heures de Spa. Et en fait quand il pleut, t'as pas d'eau ici dessus. Ça absorbe l'eau directement. C'était en test. C'est pas plus mal. Parce que c'est une zone de gros freinage. Donc... Ouais. C'est vrai que j'ai tweeté quand même. Ah, vas-y. Le cœur. Le cœur en dessous de sa selle. La paire de couilles. Ah, je m'en fous. Il l'a fait. Hein. Mais couille, il l'a fait. Et ici on peut déjà faire une photo si tu veux, ouais. Ou plus sur la grille, c'est comme tu veux. Sur la grille, hein. Ok. Là où tout le monde fait la photo. ⁇ 20h40, 27 degrés. Non, c'est une blague. Non, c'est la date à mon avis. C'est Evenepoel. Mais je sais plus c'est quoi son prénom, putain. C'est Renaud, t'as dit Renaud. Mais non, c'est Evenepoel. Mais son prénom, j'ai oublié. À vous de Valais. Personne, y a pas un seul cycliste pour me donner son putain de prénom. C'est Evenepoel comment? Ok, d'accord. Ça roule à vélo, mais ça connaît pas les trains. Je sais pas, moi j'ai vu qu'on a réussi. On a fait les 4 tours jusqu'au boutiste. Jusqu'au bout, on l'a fait. Je suis pas sûr que demain je vais marcher. Hein. Bah, demain, tu feras comme un assistant, tu rentres dans ton bureau, ouais, et tu feras l'inventaire, comme on dit. C'est ça, ouais, voilà. Je vais imprimer beaucoup d'étiquettes, je pense. Assis ou allongé. Je sais pas. Allez. Ouais, tu vois, il faut la faire de l'autre côté. En fait, ici, t'as l'écran. Mais de l'autre côté, t'as le... Bonne soirée. Bonne soirée. Hein ? La buvette ici, tu veux, ou ailleurs ?